La parole est à monsieur Jacques Krabal. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre du Redressement Productif. Des mesures pour réduire notre dette, restaurer notre compétitivité, rétablir la croissance et l'emploi ont été mises en œuvre. Le CICE, la BPI, le soutien à l'innovation, l'objectif d'avoir 500 000 jeunes en apprentissage dès 2017, l'adaptation des formations aux besoins des entreprises pour pallier au scandale des 450 000 emplois actuellement non pourvus. Mais ce que nous en prenons pour faire reculer le chômage ne risque-t-il pas d'être remis en cause si nous continuons d'accepter les pratiques du dumping social? Le recours aux travailleurs détachés via des cascades de sous-traitants permet que des personnes soient payées à 2,86 € l'heure. Dans notre pays, il y aurait pas moins de 300 000 travailleurs européens détachés, dont 150 000 non déclarés, principalement dans les secteurs de la construction, de l'agroalimentaire, du transport et de l'agriculture. Le recours aux travailleurs à bas coût à l'intérieur de l'Europe ne peut qu'avoir des répercussions à haut coût en matière sociale, économique et politique. Oui, il faut vite, et ça vient d'être appelé, une harmonisation salariale et fiscale au niveau de l'Europe. Et puis il y a les délocalisations des commandes publiques à l'étranger. Lors du salon Graphitech, les acteurs de la filière graphique nous ont fait part de leurs inquiétudes avec l'impression de 70% des manuels scolaires en dehors du pays. À l'heure de l'exception culturelle, l'économie du livre scolaire ne devrait-elle pas, comme bien d'autres, elle aussi, relocaliser? Jean de La Fontaine écrivait dans la fable « Le loup, la chèvre et le chevreau », comme vous le savez, deux sûretés valent mieux qu'une, et le trop en cela ne fut jamais perdu. Alors, monsieur le ministre, oui, pour l'emploi, il n'y a jamais assez de sûreté. Que comptez-vous faire pour empêcher les pratiques de concurrence déloyale, le dumping social, et installer avec force le fabriqué en France et le patriotisme Merci. Économique La parole est Merci. À monsieur Thierry Repentin, ministre délégué chargé des Affaires européennes. Monsieur le député, nous sommes, comme vous, conscients des faits que vous rappelez justement et des abus auxquels les détachements des travailleurs de l'Union peuvent donner lieu, notamment dans les secteurs du bâtiment, de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des transports. Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, je souhaite vous le dire, est déterminé à lutter contre ces abus. Et c'est pour cela que nous sommes en première ligne aujourd'hui sur les travaux qui se mènent justement sur la directive des détachements des travailleurs. Dans ce cadre, la France insiste pour que les moyens de contrôle soient renforcés afin que les États membres puissent recourir à tous les moyens qu'ils jugent pertinents et nécessaires. Nous sommes également, monsieur le député, très soucieux du problème de la sous-traitance, notamment dans le secteur de la construction du bâtiment. Nous avons fait part de ces éléments et de la position de la France il y a quelques jours au commissaire Andor en charge de ce dossier, et je l'ai moi-même indiqué à nos amis lituaniens qui auront la présidence de l'Union européenne à partir du mois de juillet prochain. Au niveau national, indépendamment de ce travail à l'échelle européenne, nous renforçons nos actions de contrôle dans le bâtiment et un plan d'action a été demandé à chaque préfet de département pour que dans les opérations complexes dans lesquelles il y a du dumping social, nous puissions être en première ligne. Ça passe aussi par la convergence sociale par le haut. Et c'est pour cela, monsieur le député, qu'à l'occasion de la table ronde à laquelle vient de faire référence le Premier ministre, sera inscrit jeudi et vendredi, à la demande des partenaires sociaux, des propositions que nous porterons à l'échelle européenne pour tirer vers le haut les normes sociales et notamment la mise en place d'un salaire minimal dans chacun des pays, position sur laquelle l'Allemagne vient de nous rejoindre. Merci.